Salut à tous, c'est Ward. Aujourd'hui, on se retrouve pas pour un gameplay de Darksiders 2, mais pour un gameplay de... Attention. Salut à tous, les amis. Devil May Cry. Je sais que Capcom... Je sais que Resident Evil, c'est aussi Capcom. Mais Devil May Cry a volé le mec de Resident Evil. Qui dit le nom au début. Et ça... C'est inadmissible! Inadmissible! Ouais, j'ai commencé... Vous avez pu voir, j'ai commencé à faire une partie... Oh là, j'active les sous-titres. Musique et effets sonores. Oh, musique. Là. Effets sonores. Là. Voilà. Et après, c'est quoi? Tap. Tab, non, échappe. Voilà. Nouvelle partie. Néphilim, ça doit être difficile. Chasseur de démons, c'est normal. Et mortel, c'est facile. Chasseur de démons. Ouais. Ça pourra m'aider. Utilisez le mode entraînement pour vous entraîner. Enchaîner les combos. Est disponible depuis le menu principal. Un récapitulatif de vos attaques et de vos capacités est disponible dans le menu pause option liste des combos. Pas mal, pas mal. Qu'est-ce que c'est? C'est des ailes. Une licorne géante. Wow, vous avez peut-être pas spécialement envie de voir ma souris. Voilà, oui, disparu. À la fermeture vendredi. Non, vous n'aurez aucun délai. Aucun. Vous connaissez les conditions et les conséquences. Non, ce n'est pas une menace voilée. Elle est directe. Si vous ne respectez pas l'accord, vous porterez la responsabilité de l'effondrement de l'économie. Oh, vous serez pincé du pouvoir, humilié. Ridiculeux. C'est assez direct. Bien. Vendredi donc. Bonne nuit, Monsieur le Président. Alors? Combien, mon tendre et cruel? Plus d'un billion. Oh. Je posséderai bientôt tout ce qui a la moindre valeur. Je vais dominer le monde par la dette. Je détiens un pouvoir absolu. Ça y est, le monde est enfin tes pieds. Elle est dégueulasse. Comme je le suis. À genoux devant toi, il n'attend plus que ton bon plaisir. Et ton sperme dans la gueule. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Un problème. Un problème? Lequel? Le fils du traître Sparda, Dante. Lui. Désolé, hein, c'est une version patchée, donc d'où le fait que les lèvres bougent alors que ne devraient pas. Tu le tueras. Oui. Je lui arracherai le cœur de la poitrine avec mes propres mains, et je l'avalerai devant ses yeux. Capcom. Petit R. Oh, oh, oh. Vous avez toujours demandé à quoi ressemblait la chaîne de Ward. Voici la chaîne de Ward. Ce jeu s'annonce énorme. Ah,
Now I'm blind, I can't open my eyes. Can't stay awake. Oh, c'est tout chouette de dire ça dans un parc d'attractions. Bienvenue sur la chaîne de Ward. Ah, on va s'éclater pendant ce gameplay. Mon dieu. Chargement. Ça va, il n'est pas trop naze. Encore une cinématique. C'est moi, c'est fait dodo. Depuis des millénaires, les démons étendent leur pouvoir. Ils sont sur le point de contrôler toute l'humanité. Citoyens, nous nous sommes tous laissés bercer d'illusions pendant trop longtemps. Il faut se réveiller. Le fanatique masqué que vous venez de voir prétend représenter l'Ordre, une organisation ayant revendiqué plusieurs attentats graves au cours des dernières semaines. De toute évidence, c'est un traître et un terroriste. Étant opposé à la peine de mort, je ne vois qu'une façon de régler... Ça, c'était une belle partie de baise. Abattre discrètement ce fils de pute. Ouais. La nuit a ressemblé à l'enfer, c'était tellement cool de baiser avec toi. Qu'est-ce que tu veux? On se connaît? T'as été négligent, t'as laissé une trace, et il en a après toi. Quoi? Qui en a après moi? Il s'agit d'un limier. Il est là. Oh, ça y est. La vache. Merde, je suis dans les larmes. Mettez-moi cette ambiance. Le problème c'est que je suis à poil, mais sinon... Et en plus il veut me voler mes fringues. Non. Oh yeah. Ils sont puissants. Raté. Ça c'est du tutoriel. Oh ouais, je crois que je vais devoir commencer à me battre. Non, ils m'ont sorti de... Désolé de cette coupure, j'avais eu un problème, enfin, là de toute façon on est toujours dans la même seconde, je dois toujours battre ces gars-là, mais en fait, j'avais eu un problème, comment dire... On m'avait... Bah je sais pas en fait, ça m'a fait quitter l'écran et donc Fraps, voilà. Et c'est bon. J'adore les combos qu'il fait. Bon, bon. Ah
Ah, mais c'est la spirale mortelle. Les ennemis vaincus lâchent des orbes blancs qui remplissent la barre d'amélioration de Dante. Lorsque la barre est remplie, Dante peut débloquer de nouvelles capacités. Orbes rouges des ennemis morts lâchent des orbes rouges qui permettent d'acheter des objets à consommer. Tout ce que je voulais savoir. Je te suis, pas. Même si je n'ai pas entendu ta voix sur ce coup-là. Oh non. Mais... Bon. Comment quand tu es arrivé là? J'étais bien bourré hier. Oh, gna gna gna. Youpi. Dans un coup. Comment j'ai fait? Ward est un mot, d'accord. Hop là. Ah, j'étais pas, j'ai pas y touché au bug. Wow, je suis perdu. Pourquoi il s'est arrêté? Je suis mort. Courage, Ward, courage. Ensuite. Good. Wow, j'ai fait un double saut, quel débile, je devrais le faire plus tôt. Non. Ah, j'étais quasi à la fin. Caméra là. Bon, alors. Bon, maintenant je sais que je vais faire un double saut. Non. C'est dégueulasse. 1, 2... Wow, j'ai lagué là, j'ai eu de la répétition de la même action. Bah voilà. Oh yeah. Hey Bunny, Ivory, vous m'avez manqué. Je suis rattrapé avec un petit step arrière. Ouais, parce que c'était un peu naze le fait de mourir et de devoir recommencer à chaque fois. Pas tous. De quoi m'entraîner. Timing parfait. C'est un petit temps. Rend immédiatement un peu de la vie. Wow, on m'a explosé la tronche. J'en étais sûr que c'était une bombe au départ. Derby. Parenthèse, crade. Heureusement que j'ai munitions illimitées en fait. Oh. J'ai pari ça bon. Ouais. Alors, on en était à... Non, petit frère qui n'arrive pas à battre une dénommée Jessica dans Resident Evil Revelation.
jeu que j'ai déjà fini mais que je ne pourrais pas vous faire le gameplay dessus. Parce qu'elle bouffe trop de capacité à mon PC. Mais pas ma 3DS bien sûr. Mais je ne vais pas m'acheter un Dazzle juste pour vous. Je m'appelle Kat. Je suis pas un démon. Je suis dans le monde réel et toi dans les limbes. Les gens autour d'elle, c'est qui cette code qui parle toute seule? Une voyante. Ce qui fait que je peux communiquer avec toi. Même si tu me vois, je suis pas vraiment dans les limbes avec toi. Oh, toute seule. Et si j'appuie sur la détente? Là, je risque ma vie pour toi. C'est une fille crade, n'empêche. Tout ce que je veux, c'est t'aider. C'est genre c'est qu'on croise Bayou le matin là. J'ai pas besoin de toi. Décoté plus capuche. Je sais comment sortir, c'est pas ma première fois. Il suffit de combattre cette saloperie de démon. Voilà. Comment ça? Vite. Oui, je te suis. Rien, simple démon, hein. Je tire sur des araignées au flingue, ouais, ouais. Poubelle. Ah, fœtus. Les âmes perdues. Oh, comme les Shinigami. Les âmes emprisonnées dans les limbes, libérez-les toutes pour accroître votre bonus d'achèvement de mission. Oh, c'est trop bon ça. Jeu vidéo. Non. Vous imaginez mon PC, il fait ça quand je m'en approche. Death Metal. F pour lancer du sol. Oh yeah. Ah ouais. Je sautille. D'amélioration reçu, ouais, entrée, bon, tap, je sais que je peux améliorer mes attaques, après reste à savoir où, dis-moi où, wouah, maintenant fais du manège, aïe, pourquoi je peux pas faire du manège, parce que tu es trop petit, ou trop grand en fait, alors, où dois-je aller, ici. Double saut, impeccable, orbe d'or. S'utilise après la mort pour ressusciter dans deux. J'en aurai besoin pour le boss. Je suis sûr qu'on va affronter le boss à la fin. C'est obligé, c'est ça. Non. Franchement, merci à Halo pour m'avoir conseillé ce jeu parce que... Regardez tout ça. N'est-ce pas magnifique? La statue pour acheter des objets et débloquer des... Voilà. Débloquer des techniques, je pense. Amélioration. Capacité et bonnier. Rébellion. Son épée s'appelle Rébellion. Je dirai rien. Déluge. Brrr. Ça, c'est nul à chier comme attaque. Zoom. Bof, on va acheter des trucs pour rébellion, ça vous va? Piqûre. Au sol, deux fois avant, plus ça. Onde de choc. Sing. Blanc. C'est cool ça, j'achète. Onde de choc niveau 2. Wim.
Un peu plus fort. Onde de choc suprême. Onde de choc suprême. Oh, vivement l'onde de choc suprême. Bref. Hop. Oh. Ouah. Ça me plaît. Bon. Alors voilà. C'est mon manteau ? Comment il est arrivé là ? C'est pas. Tu baisses tellement partout. Et si t'arrêtais de boire, tu t'en rappellerais. Bah là, on voit que t'es plus bourré. Vous voulez savoir comment Ward s'habille pour aller au collège ? Flash info. Nous sommes en direct de notre hélicoptère. Ah ok. Steve, je n'en crois pas mes yeux. Ça a des répercussions sur le vrai monde. Pas mal. Mais cours, Ward, cours ! Oh bah, en fait. Ah, joli plan. La vache, j'adore ces ralentis. Tu sais, le fait que genre Mi la défonce, Mi se casse la gueule en fait. Et c'est trop stylé, ça fait genre ça. Ça lui donne un air genre léger, pas expérimenté, genre juvénile quoi. Ça fait classe. Il me tire des mains sur moi, des mains de pierre. Je te rejoins, jeune femme fantôme, j'arrive. Hey, par ici! Jeune femme fantôme, j'arrive. Wow, wow, il a failli m'avoir. Je rejoins la femme fantôme dans... un hôtel. Où... Aignez. Je rejoins la femme fantôme dans un train fantôme. Je sens que je vais avoir peur à cet endroit, cet endroit là. Oui. Là j'ai peur. D'ailleurs mes points de vie, comment on récupère des PV ici? Objet. S'il vous plaît. Petite étoile vitale. Oh non. Liste des combos. Bah oui, il fallait échanger les orbes contre des petites étoiles vitales. Bien sûr, bien sûr. Oh, ah. Même pas peur. Bien. Yeah. Oh. Je lag à mort là. Alors bon. Après ce lag mémorable, je vais défoncer les araignées. Coucou toi, tu es sur un tourne. Toi aussi tu es sur un. Ah. Il arrive. Elle est morte de rien. Bah oui, je l'ai pas vu, elle était rigolait tellement fort. La sortie, bien. Qu'elle en tremblait et tout en rigolant. Stop. Ouais, c'est ça. Oh.
regardez comme je suis. Je suis marocain. Voyez. J'aurais dû... Ouh, c'est bon, j'ai récupéré des PV, j'ai trouvé une orbe verte par terre. Oh. Et voilà, j'étais fini. Non! Pourquoi il recule? Pour faire laguer le PC, pourquoi? Dieu, ça tourne encore, craps là. J'ai un lag énorme. Regardez ça, j'ai des arrêts sur l'image monstrueux. Bon, je coupe, je reviens. Apparemment, on n'a plus de lag. Est-ce que j'ai start frappe minimizet? Wow, je voulais faire une esquive avec alt, alors que c'est pas ça l'esquive. Oh, mais c'est nul ici. Ah! Je survis contre des monstres, mais je me fais baiser par des obstacles. Putain. Qu'est-ce que je disais? Ah, mon ancienne coupe. Celle de Bieber, se dit en passant. Jamais de la vie. Ah, tant mieux. La coupe de Bieber. Ça sert à rien. Jamais de la vie. Toi, il craint pas les balles. Bref, suivons la femme crade. Ah, la vache. Wow, ça y est, la gueule. Je vois les silhouettes de personnes qui courent aussi. C'est genre comme si on pouvait voir ceux qui sont dans la vraie vie aussi qui s'enfuient. C'est-à-dire que tout est démoli dans la vraie vie. Je... Traskin, ça veut dire piégé. Ici, c'est ça. Piégé. D'accord. Un Molotov. Bien sûr. Après lui avoir jeté un Molotov, tu peux l'attaquer. Ah, parce que maintenant il a un vagin sur la tête, d'accord. Le vagin sur la tête. Très caractéristique des démons. Pour le vagin, tu gagnes. Oh, les... Alors les démons femelles ont des couteaux. Très caractéristique des démons femelles qui ont un vagin sur la tête. Eh, hey, vous avez vu comment je gère là? Et tout ça, c'est juste en vous parlant, hein. Ah, ça c'est l'attaque suprême. Oh, oh, par contre là, il va être brutal, x4. Oh non, il est monté. Redescend. Qu'est-ce qu'il... Oh non, encore des mains. C'est trop facile à esquiver. Eh ouais, cool. Alors le singe. C'est beau ça, les... J'esquive le couteau. Oh.
feras jamais mal, un putain de démon. Là, j'ai vu qu'il faut pas de TV, il faut pas de TV. Qu'est-ce qu'il vient de faire maintenant? Il s'est vomi par terre. Ah non, il se cache dans l'ombre. Ah! C'est quoi? Un frisbee. Très mature. Et bon. Maintenant, on commence à tirer. Wow. Et ouais, mec, tu fais pas le voir. J'ai tué un dragon ancestral à coup de gâteau à la crème. Je défonce des vieux sur Darksiders. Oh mon dieu. Ok, il se fait. D'accord. On descend, j'ai dit. Voilà. On était à où? Ah oui, j'avançais vers ce monde pour le frapper et péter un petit peu le son de mon casque. Oh, belle esquive, voir, belle esquive. Oh, voilà. Cruel. Voilà, bim. Tu te calmes, voilà, t'as perdu. Vagin. La fête est finie. Ouais. Fils de Sparda. Quoi? Fils de qui? Enfin te voilà. Je te cherchais. Ouais. Tu es mort. Tout comme ta catin de mère. L'enculé. Catin de mère? Je sais pas qui est ma mère, mais si tu me traites de fils de pute, tu serais pas le premier. Je me souviens à peine d'elle. Voilà. En gros, tout autour de ces gens s'est mis à exploser. Je ne sais pas pourquoi. Mais tout est massacré. Alors, qu'est-ce que tu vas faire maintenant, Dante? Je vais marcher dans la rue. Ça va, Dante? La fille crade. Comment tu connais mon Dante? Mon boss te connaît. Il veut te rencontrer. Je dis Dante, moi. S'il te plaît. Je t'ai tiré d'affaire, non? Ouais, mais je t'avais rien demandé. Voilà. Pute. Oh, y'a le fait qui arrive. D'accord, je monte. On sait tout de toi, Dante. Mon organisation s'appelle l'Ordre. Tu connais? Un rapport avec le taré masqué d'Internet? C'est mon boss. Génial, j'ai hâte. Nous recevons un instant pour parler d'un vrai d'une attaque terroriste sur le quai de Bellevue, dans le quartier ouest de la ville. La police demande à tous les habitants de rester vigilants. De nouveaux attentats pouvant avoir lieu n'importe où, à tout moment, lorsqu'on s'y attend le moins. Nous t'avons repéré, fils de Sparda. Ce n'est plus qu'une question de temps. Eh bien, quittons-nous sur ces jolies petites notes. Que dire? C'était Ward. Point de style SS, à votre avis. J'ai toujours eu du style, moi. Par contre, le tronc, c'est un C. L'achèvement, c'est un D. Les objets...
score final, c'est un B. Ok. Bon, quittons-nous sur cette jolie petite note. Un B plus un SS en point de style. C'était Ward, et je vous aime.